ce matin sur la canon. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence avec un temps gris couvert de la pluie, une température extérieure à 14 degrés, une température de l'eau à un petit 16 degrés, une marée qui descend. Le plein bas est à 10h15 des coefficients de 85. Sur cette descendante, le vent est onshore avec un secteur nord-ouest soutenu à fort. 6 à 7 Beaufort, poubelle en l'air, mouette en l'air aussi, les portails qui s'ouvrent tout seuls, les bâches qui se déchirent. Et on a donc un plan d'eau qui est en vrac, ridé, clapot, mouton, une houle longue de 10 secondes de période orientée nord-ouest-ouest-nord-ouest, multipique en vrac à la hausse, 2,50 en déferlement régulier, 2,80 à 3 mètres aux séries. Pas de surf et pas d'action. L'évolution pour le reste de la journée, un train de houle stationnaire à la mi-journée, la bouard cachant un dernier relevé et encore dans les presque 5 mètres avec 8 à 9 secondes de période. La houle devrait se tasser un petit peu cet après-midi avec le vent qui va se calmer un petit peu. Mais pas d'amélioration notable pour sortir la planche à surf. Les prévisions à 13h, 2,50 à 3 mètres. Houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 5 à 6 Beaufort. Et à 17h, 2,80 m. Houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 5 à 6 Beaufort. Des conditions pour faire du kite, mais pas pour faire du surf. Prochain point, 11h30. À tout à l'heure, mes amis.